Nous aurons, on va regarder Ivan Ivankov aux anneaux. Nous aurons donc à la barre fixe les Russes, au sol les Allemands, au cheval d'arçon les Chinois et aux anneaux l'Ukraine par exemple. Et là, eh bien, nous suivons donc Ivan Ivankov, champion du monde à Brisbane et champion d'Europe, qui réussit un mouvement d'une belle limpidité, d'une grande maîtrise. Michel ? Oui, exercice de force qu'il démontre, on croit renversé. Un grand élan, bras tendu, mais tout le travail d'élan s'effectue maintenant sur bras tendu. Ici, un salto arrière dans les anneaux, un nouveau soleil, bras tendu, stabilisé. Et la sortie en double salto arrière avec une vrille. Et le classement, grâce à cette performance, je crois, de Ivan Ivankov, va nous permettre de voir que, je ne me trompe pas, Michel Boutard, eh bien, l'Allemagne n'est pas encore sur le podium. Pas encore. La Chine est en tête devant la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Eh bien, dites-moi, ça se joue à quelques centièmes, mais Ivan Ivankov, grâce à son mouvement aux anneaux, 9,487 permet donc à la Biélorussie d'être juste devant l'Allemagne. Ah, ça nous réserve un final